Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce port. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment étonnant. À quelle année sommes-nous, mes frères et sœurs? Nous sommes bien évidemment en 2021. Ah! Ça, c'est tout de ouf, ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le président haïtien Jovenel Moïse arrêté, assassiné. Et sa femme qui a été grièvement blessée dans cette action, qui a été transportée plus tard à l'hôpital, elle aussi, elle a succombé à ses blessures. Elle est morte. Hein? Et comment ça s'est passé? Alors là, ça devient étrange. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ce qu'elle nous raconte, c'est que des gens qui parlaient espagnol, gens comme des commandos très entraînés, sont entrés dans sa résidence présidentielle, ont menotté ou bien attaché tout le monde là-bas, c'est-à-dire les gardes du corps. Et puis, ces gens-là ont blessé, grillé mortellement le président. Hein? Le président a succombé à ses blessures. Est-ce que vous entendez ça? Tout le monde en parle en ce moment où je vous parle. C'est venu me trouver ici, c'est venu me trouver ici. Je me suis dit, mais tiens! C'est quand même étonnant, non? Un président. Il s'agit d'un président. Est-ce que vous connaissez comment on surveille un président? Est-ce que vous savez comment on suivait un président? Et eux viennent nous dire juste comme ça que le gars, il est mort, quoi. Ah! Jovenel Moïse, ça, c'est son nom. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est mort avec sa femme. Et quand? On dit que c'est passé la nuit du mardi, là. C'est-à-dire. Le mardi où nous étions en train de nous préparer à nous dormir. Jusqu'à ce matin, le 6 là, mercredi là, mercredi combien c'est pas là, mercredi 7 là. Donc ça a commencé le 6 jusqu'au 7 là. C'est-à-dire aujourd'hui là. C'est là, ils n'ont pas beaucoup. Et il est mort. Ils ont tué le président. C'est un coup d'État ou un assassinat? Sachant que les élections auront lieu dans 7 mois. Et on voit les photos du président rempli de sang, mort. Et on voit ces photos-là sur les réseaux sociaux. Et c'est en train de tourner, c'est en train de tourner. Ce ne sont pas des choses que je peux vous montrer ici. Mais vous savez, je n'ai pas envie de vous choquer. Ni choquer nos petits frères. Mais c'est pas de la blague. Regardez ça. Il s'agit de cet homme qui est là juste devant vous. Apparemment, il n'était pas bien apprécié ou encore bien aimé des gens du pays. Mais est-ce qu'il méritait de mourir? Pour certaines personnes, c'est un complot. Un très grand complot, une chose bien organisée par des gens qui sont en haut. Et, ha, il n'a pas vu cela venir, ni personne qui s'y attendait. L'assassinat d'un président en 2021. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir, est-ce que c'est encore possible? Et c'est un président africain. Ça, c'est le président d'Haïti, ainsi que sa femme. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de Steve Jobs. Je vous racontais son histoire et sa fin. Sans savoir que cette affaire, cette information allait venir me trouver juste là encore. Je disais quoi dans la vidéo? Je disais, ah, l'homme qui est né. Il va mourir un jour.
Mais comment va-t-il mourir? C'est cela la question. Sachant que tout le monde partira un jour, tout le monde mourra un jour. Et voici ce temps. Un président, que ce soit avoir le cas de corps le plus entraîné, que ce soit être bien protégé. Voici celui qu'on n'a pas. Et on dit que ces gens qui ont venu là-bas parlaient l'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tué ces gars de corps aussi? Et pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ces gars de corps tout simplement mais attachés aux mélodies et tout du chant? Et si c'était un signe qu'ils nous donnaient pour dire que la personne qu'ils cherchaient, c'était lui? Qui? Le président. Et non, les gens qui sont à côté là. Hein? En tout cas, ils n'ont pas épargné sa femme. Ils n'ont pas épargné sa jolie cour là. Non, sa jolie femme. Jésus. Tout le monde veut devenir président, mais il y a des grands risques quand même. C'est un risque énorme. Est-ce qu'on peut tuer le président de la République comme ça? Est-ce que c'est facile de nos jours? On sait que John Kennedy a été aussi assassiné, non? Il a été assassiné. Ce président américain a été assassiné. Mais jusqu'à après lui, est-ce qu'il y a un autre président encore qui a été assassiné? Dites-le-moi. Mais vraiment, ça, c'est vraiment grave. On dit que ces gens-là parlaient l'anglais et l'espagnol. On dit plus principalement l'espagnol. Et là, ça amène les gens à réfléchir et à se poser la question du genre, avec qui ce président-là était en conflit? Boum! Avec qui? Ils ont tué sa femme. Lui-même, il est mort. Et que devient le peuple? Apparemment, il y a un désordre total. Le peuple est dans la confusion. Et Jean, son ministre, est venu pour rassurer tout le monde que la situation sécuritaire du pays est maintenant sous contrôle. Donc, ce Jean, après la mort du président, c'est là la situation du pays devient sous contrôle. Est-ce que vous pensez que les États-Unis n'étaient pas au courant de cette opération? Après tout, c'est un très grand pays, n'est-ce pas, ce genre-là qui contrôle tout et qui contrôle le monde et qui voit tout par satellite? Est-ce que vous pensez que des proches à cet homme-là ne faisaient-ils pas partie du complot? Boum! Sa femme est décédée, on ne peut pas l'accuser. Mais qui était au courant de cette action qui a ouvert la porte? Parce que du coup, on arrive, on ne tue que deux personnes, le président et sa femme, et on laisse tout le monde. C'est que ça là. Il y a un message derrière. Un message derrière. La personne qui recherche, c'était lui. C'était lui. Waouh! 2021 n'est pas terminé. 2021 ne fait que commencer. Aïe, aïe, aïe. Mes frères et sœurs, attachez vos ceintures. On va voir des choses ici. Hein?
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez.